Méditation du 21 septembre. Le pouvoir de la musique. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Psaume 1, les versets 1 et 2. Ces versets sont très riches et je crois que, entre autres choses, ils nous donnent une ligne directrice sur la façon de lire les psaumes. Pendant longtemps, j'ai cru devoir m'abstenir complètement d'avoir des contacts avec les méchants, les pécheurs ou les blasphémateurs. Je pensais que je n'étais rien de tout cela et que le bonheur et la sécurité se trouvaient loin d'eux. En fin de compte, on nous apprend souvent que tout dans ce monde est mauvais et dangereux et que nous devons nous éloigner complètement de tout cela. Mais la vérité est que nous sommes immergés dans le monde. La vérité est que nous sommes tous des pécheurs. Il est évident que nous rencontrerons inévitablement de telles personnes et nous sommes aussi parfois ces personnes. Il ne s'agit donc pas tant d'être hors du monde, mais, comme l'a dit Jésus, d'être gardé du malin. Voir Jean 17, verset 15. Nous pouvons entendre les conseils des méchants, mais ne les suivons pas. Nous pouvons passer sur le chemin des pécheurs, mais ne nous arrêtons pas. Nous pouvons avoir de l'amitié pour des blasphémateurs, mais ne la cultivons pas. Par opposition à tout cela, consacrons-nous à étudier la loi de Dieu et à la méditer jour et nuit, pas dans la réclusion ou l'isolement total, mais comme un ancrage sur un rocher solide et un véritable soutien. Les arbres se trouvent à l'air libre. Ils traversent des tempêtes, sont confrontés à l'indifférence et à la négligence. Ils donnent beaucoup sans rien recevoir. Mais ils se tiennent debout, cherchent à se diriger vers le haut et nous rappellent constamment que, tout autour de nous, il y a quelque chose de plus grand et de plus durable. Le secret est de trouver son plaisir dans la loi de Dieu. C'est de s'alimenter et de se nourrir de l'eau de la vie. Au bon moment, nous porterons des fruits, nos feuilles ne flétriront pas et tout ce que nous ferons sera prospère. Tu peux trouver du plaisir dans le Seigneur aujourd'hui et écouter ce chant sur le CD Jeunesse 2017. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.